Non seulement il a survécu au choc de la collision à plus de 200 km/h, mais il a aussi survécu aux flammes. La chaleur devait être insoutenable. C'est un miracle, un véritable miracle. Il a tenu à marcher jusqu'à l'ambulance. J'ai protesté en disant qu'on allait faire venir l'ambulance à lui. Mais il voulait montrer qu'il allait bien. Il voulait faire passer un message au monde, et surtout à sa femme et ses enfants. Il avait survécu, et il tenait encore debout. Comment a-t-il pu s'en sortir? Comment a-t-il pu s'extraire du véhicule? Dieu était avec lui.